Salut, nous sommes le groupe Highway du hard rock français, on est là à Freiburg aujourd'hui pour vous. Bienvenue chez nous. Alors moi c'est Ben, guitariste, compositeur du groupe, je fais aussi des chœurs, enfin j'essaie. Salut, moi c'est Ben et je suis le chanteur du groupe, le lead singer, parce que et les autres il faut pas les écouter quoi. Donc Romain Chambert, le batteur du groupe. Hello, moi c'est Sam Marshall et je suis le fucking bass player of the band. Je fais des chœurs, quelques arrangements sur le prochain album. J'essaye de vraiment mettre ma patte un peu de partout dans Highway. Voilà, merci. Alors Highway, c'est une histoire de famille, hein. Donc on a fondé le groupe en 99, si on remonte aux origines initiales avec mon frère, qui est batteur, moi je suis le guitariste du groupe. Ensuite on a été rejoint par Ben au chant, donc très tôt, hein. Là voilà, vous avez le noyau dur du groupe. Et ensuite on a sorti deux albums avec un premier bassiste qui n'est pas là, et Sam, la légende, est arrivée en 2011, ce qui nous a permis d'avoir un vrai essor. Ça a vraiment relancé la machine Highway. On a sorti l'album, le troisième, United States of Rock and Roll. Et depuis, on tourne de partout, et la machine est bel et bien lancée. Voilà, c'est ça Highway, du rock and roll. Alors moi, mes influences majeures, disons que mon premier amour, ça a été AC/DC, hein, Angus Young, hein, c'est lui qui m'a vraiment donné envie de faire de la guitare, de faire du rock et de monter notre groupe, Romain. Mais après, bon, j'ai été influencé par plein de guitaristes, hein, et plein de groupes surtout, parce que c'est pas que la guitare quoi qui m'a vraiment influencé, je parlerai plutôt de groupe et dans leur manière de composer. Bon, AC/DC, Aerosmith, Whitesnake, les Guns N' Roses, et sur le plan vraiment de la guitare pure, effectivement Angus Young, Joe Perry, Billy Gibbons, et après les plus techniques, on va dire Michael Schenker, Doug Aldrich, ce genre de guitaristes quoi. Voilà. À vous Ben. Moi, ma principale influence, il y en a une au-dessus de toutes les autres, bah, c'est David Coverdale quoi. C'est Whitesnake, c'est Deep Purple, c'est la voix de référence pour moi. Et après beaucoup de chanteurs desquels j'essaye de prendre 2-3 trucs, que ce soit Russell Allen pour la puissance vocale, que ce soit Sébastien Bach pour les cris bien perçants. Voilà, après c'est les influences majeures. Et puis après sur scène, le jeu de scène, c'est essayer de piquer 2-3 idées à droite à gauche. Jeff Scott Soto, Dougie White, Rodney James Dio, enfin les chanteurs de que tout le monde connaît quoi. Merci. Donc mes influences, moi j'ai commencé par écouter les Beatles, Queen beaucoup, je suis passé longuement sur AC/DC et le jeu de Phil Rudd qui a un groove inouï quoi, il fait vraiment respirer la musique quoi, donc ça je m'en inspire. Motley Crue, donc Tommy Lee est une grosse influence pour moi sur son jeu de cymbales quoi, qui est exceptionnel. Voilà mes principales influences. Bien sûr il y a Ian Paice, je m'en inspire également, tout ça relève un peu de l'inconscient, mais j'ai beaucoup écouté Deep Purple, voilà principalement. Cozy Powell de Whitesnake, je dirais que c'est mon batteur préféré quoi, en fait. C'est pas évident de donner son batteur préféré, mais Cozy Powell est pour moi un batteur fabuleux. Voilà, donc quelques inspirations comme ça, mais il y en a bien d'autres et on se reverra. Merci Bobby. Alors mes influences principales, moi ça a été Iggy Pop en premier pour le rock'n'roll global. Et au niveau de la basse, j'ai commencé par repiquer des lignes de basse de Gene Simmons, toute première, je crois que c'était Sure Know Something. Et après j'ai dû jouer beaucoup de Guns N' Roses, donc Duff McKagan, du Motley Crue, donc Nicky Six, et du Aerosmith, donc Tom Hamilton. Mais après, j'adore un groupe allemand d'ailleurs qui s'appelle Edguy, que je trouve super fun, super rock dans leur attitude. Et
Et voilà, après j'écoute de tout. J'essaye de mélanger toutes les influences pour faire du bon rock'n'roll. Voilà. Alors voilà, vous voyez ici, tenu par mes acolytes, notre dernier brûlot, United States of Rock and Roll. Donc ça, c'est le dernier album en date, qui est sorti quand même il y a déjà en 2011, donc le temps passe vite. Je vous le conseille quand même, parce qu'il défonce. Hein. Donc c'est cet album qui nous a vraiment permis de tourner dans toute l'Europe, d'être signé par un label américain, donc d'être distribué aux États-Unis. Donc voilà, c'est pour nous, c'est un album qui est hyper important dans notre carrière, dans notre histoire. Mais le prochain va arriver, donc là on fait la tournée en Allemagne, et ensuite on va se pencher sur le quatrième album, qui... on vous le promet, va être un véritable bijou de rock'n'roll. Voilà, c'est un petit peu prétentieux, mais en tout cas on y croit à 1000% dans cet album. Voilà, mais celui-là, achetez-le quand même. Donc pour nos projets futurs, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment enregistrer et sortir notre nouvel album. Le quatrième, Highway 4. Bon, le titre n'est pas encore définitif, mais voilà, ça va être vraiment notre gros projet, notre gros chantier de l'année prochaine. Et après, derrière, bien sûr, on tournera pour promouvoir l'album dans toute l'Europe. Également, on avait un projet de petite EP acoustique, mais bon, ça, c'est bonus, vous verrez ça. Et on en profitait qu'on était là pour remercier le public allemand, parce que là, ce soir, c'est notre dernière date de cette tournée allemande en support de Michael Schenker, qui a été fabuleuse. On a découvert un public super amateur de rock et super amateur d'Highway. Ça nous a fait beaucoup plaisir, donc on reviendra vous voir, promis. Voilà, merci pour tout. Rock on. Et donc pour finir, si vous voulez nous retrouver sur internet, vous pouvez nous retrouver sur le site officiel du groupe, donc www.highwayrocks.com. Voilà, ici. Et également sur tous les réseaux sociaux, Facebook, donc c'est vous tapez highway.fr, sur Twitter, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, vous nous trouverez, et sur internet, pour supporter le rock'n'roll. On vous attend nombreux sur nos pages. Merci les amis. Je tiens à dire qu'on est aussi toujours à la recherche de labels européens, de financeurs pour nous aider pour le prochain album. Et vous pouvez avoir confiance en nous. On fait du bon boulot, le public allemand vous le dira. Voilà, et j'aimerais aussi moi dire que toute l'équipe qui nous accompagne est au top. Ils sont derrière là, Adrien, il y a Claudia, il y a eu Christina avant, il y a Nico Durand. Voilà, merci les gars, sans vous, on pourrait rien faire. Voilà.